Dimanche 18 août, chers tous, aujourd'hui, le soleil était radieux sur l'hippodrome de Deauville. Il y avait deux groupes 1 au programme. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez original. J'ai essayé de trouver la régie. Alors, non, c'est pas par là, Bonnet Boutique, Tante de France Gallo, non. Ça y est, j'y suis. Ça, c'est la régie de l'hippodrome, là où sont envoyées toutes les images qui sont rediffusées sur l'hippodrome. Incroyable. Mais alors, comment ça se passe, Thierry ? Nous avons donc 5 caméras, 2 caméras fixes sur tourelle, une caméra fixe au niveau du rond de présentation et 2 caméras HF qui vont suivre les journalistes Pascal Raymond Lamy et Fabien Caillé. Avec combien de caméras en tout ? Alors il y a environ 250 écrans sur l'hippodrome. C'est inimaginable, on ne peut pas penser ça, n'est-ce pas ? Mais il y a pas mal de choses hein, sur l'hippodrome, hein. On ne croit pas comme ça, mais il y a beaucoup de petites installations et pas mal de boulot. Et oui, il faut beaucoup de monde. Et en parlant de monde, l'hippodrome était rempli. Car aujourd'hui, il y avait le prix Morny. C'est un groupe 1. Vous vous souvenez, la crème des crèmes. Et cette année, c'est un Américain qui s'est imposé avec No Nay Never. Là, c'est l'entraîneur. Allez, retour au rond. Petite photo. Et oui, vous pouvez lever votre coupe. Il y avait un deuxième groupe 1, c'était le prix Jean Romanet. Et c'est Maxime Guyon qui s'est imposé pour l'entraînement d'André Fab avec Romantica. Petit détour sur le cocktail habituel. Et c'est Michael Barzalona qui s'y est collé. C'était très bon. Ça y est les amis, la carte postale s'est terminée pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, mercredi prochain, on donne rendez-vous du 21 pour une grosse surprise. Je pense que vous allez rire. Et en attendant, suivez-nous sur Facebook et le Twitter de France Gallo. Et retrouvez la Gazette sur meetingdedeauville.com. Bye bye. C'est vous qui me faites un bisou aujourd'hui. Allez. Bye. Je vous donne rendez-vous le 21, vous n'oubliez pas.